طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمين تجمعوا وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعموم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقد عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمصاع بخيف ومشعر ضياء رسول الله للترقية Donc, elle se met à votre disposition. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islami wa kafa biha ni'ma. Alhamdulillahi hamdan yuafi na'amuhu wa yukafi'u majdahu wa mazidah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مشائخنا الأجلاء ونخص بالذكر شيخنا أبي الأباس الشيخ أحمد التجاني
وأن خلفائه وخليفته على الإطلاق سعادة الأنام الشيخ إبراهيم بن ياسر. يا همة الشيخ أهدري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تعطي لنا بالظفر إفادة الملك منزوري لأجلنا والتقدري إفاضة في المحضر تعطي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de qui tout provient et vers qui tout converge. Nous faisons la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui a ouvert ce qui était flou. Celui-là même qui a parachevé ce qui avait précédé. Défenseur de la vérité et par la vérité. Guide dans le droit chemin. Cette salat est également valable pour sa noble famille, à leur juste valeur. Je vais tout de suite demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer davantage des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et toutes ces personnes-là qui ont porté le flambeau de l'islam haut et fort, à savoir les sages de cette communauté, depuis Cheikh Ahmed Tijani qui est notre maître, jusqu'à la personne de son khalif qui est Cheikh Ibrahim Anias, celui-là même qui nous a guidés vers Cheikh Ahmed Tijani. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la baraka de ce mois sacré que le Ramadan. Sans plus tarder, je vais automatiquement adresser un vif remerciement à l'endroit de tous les invités ici présents. Mais de manière particulière, à la notabilité de Marabayasa. Je ne pourrais pas citer tout le nom, mais ils sont là, ils se reconnaissent eux-mêmes, Inch'Allah. C'est une fierté pour nous de les retrouver avec nous, Inch'Allah, ce soir. Je vais également adresser un remerciement particulier à l'endroit de mon frère, notre président, que j'aime bien et que je pense qu'il m'aime bien aussi. Alhamdulillah, Inch'Allah. Alors donc, dire à tout le monde Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quant à mon grand frère, l'imam Abdullahi Touré, je pense que Dieu s'adresse à nous à travers les événements. Et le Tout-Puissant se manifeste à travers quatre types d'événements qui se produisent dans nos vies. Premièrement, c'est l'état de grâce. Pour ce que tu veux, tu l'as, tu as de bons enfants, tu as de beaux enfants. C'est un état de grâce. Mais chaque type d'adresse divine, voilà, divine à notre endroit, nécessite un comportement. Quand on se retrouve dans la grâce, quel comportement doit-on adopter? Les sages nous enseignent, ils nous disent que quand on voit la grâce autour de nous, alors il faut remercier le Tout-Puissant. Le remercier n'est pas seulement dire à Allah merci, merci. C'est une première dimension du remerciement et que nous appelons le remerciement avec la langue. Mais en réalité, les sages nous disent que remercier Dieu veut dire le bienfait que Dieu t'a donné là. Il faut le retourner à Allah. Il t'a donné des yeux, il faut regarder ce que Dieu veut que tu regardes. Ainsi,
le bienfait des yeux, là, tu auras été reconnaissant vis-à-vis d'Allah par rapport à cela. Il t'a donné des jambes, c'est une grâce. Il y a des gens qui naissent, ils n'ont pas de jambes. Remercier Allah par rapport à cela, c'est se rendre dans des endroits que Dieu aime. C'est une manière de remercier Dieu avec son apparence, sa matérialité. Mais au-delà de cela, nous pouvons remercier le Tout-Puissant Allah avec notre cœur. Ce cœur-là doit remercier Allah de manière perpétuelle en faisant les toilettages de ce cœur-là et faire de ce cœur-là un sanctuaire d'Allah, un sanctuaire où Dieu seul se manifeste. Parce que Dieu, que nous soyons profondément pénétrés dans la Subhanahu wa Ta'ala. Donc il y a d'abord l'état de grâce. Mais il n'y a pas que l'état de grâce dans la vie d'un être humain. Il y a aussi l'état de preuve. Quand Dieu nous oblige, Dieu veut que nous adoptions un comportement. Il peut nous éprouver dans notre santé. Il peut nous éprouver en prenant de nous ce que nous aimons le plus cher. Et quant à mon frère, l'imam Abdoulaye Touré, aujourd'hui, Dieu l'a éprouvé dans sa chair. Mais qu'est-ce que Dieu veut de lui? Toutefois qu'il y a épreuve, Dieu veut que tu mettes à contribution ta patience. Et voir que Dieu nous secoue pour nous élever. L'or brille davantage quand il sort du feu. Ainsi, au-delà même de l'épreuve, c'est la main de Dieu que nous voyons. Et cette main-là est une main généreuse. Et nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons accepté ton décret. Et ça fait partie de la foi. Sinon des conditions de la foi. Parce que Dieu, que nous ayons tous la foi. Ainsi, nous pouvons regarder notre frère, l'imam Abdallah, et voir le rayonnement même qui se dit à travers sa face, et comprendre qu'il a accepté cette épreuve-là dure, mais que seule la foi peut supporter. Allah qu'en belle de l'indemé, Allah qu'en son sabbat-là, Allah qu'en pour Imam, sache que nous sommes avec toi. Même si tu ne nous vois pas physiquement, dans notre retranchement, nous prions pour toi. De cette même manière, nous prions aussi pour ton frère Imam Adjoint, qui lui aussi a été frappé par la même épreuve. Allah qu'en son de manière là. Allah qu'en porta. Allah qu'en sabati. Quand nous parlons de preuve, nous nous rappelons notre propre personne et toutes ces personnes-là qui sont éprouvées en ce moment. Et parmi ces personnes-là, nous nous rappelons notre frère, l'imam Koudous, et tout le monde sait en Côte d'Ivoire qu'il subit l'épreuve de la maladie. Et du haut de cette table-là, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une santé et de lui donner tous la santé. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver une seule personne qui ne souffre pas de maladie. Allah Kanga, Bana Ouke, Banaye, Banamiman, Bela Djelum Korota. Allah Kanga. Alors donc, je parlais de quatre types d'adresses. Je parlais de l'état de grâce, l'état de preuve. Pour parler du troisième type d'adresse, c'est ce que nous appelons l'état d'obéissance vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. On se retrouve souvent obéissant et adorateur. On passe toute la nuit à prier. On passe tout le jour à jeûner. Cet état-là, c'est un autre état de grâce, mais qui se fait ressentir dans l'adoration. Et quand Dieu se manifeste à nous par rapport à cet état-là, Dieu veut nous conditionner à une autre dimension. Et cette dimension, c'est ce qu'ils appellent Shuroubul Minnati. Voir que l'acte qui se produit en nous n'est pas de nous. L'acte provient de Dieu, il transite en nous
on retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous ne serons qu'un instrument que Dieu exploite, que Dieu utilise. Sayyidina Ali karramallahu wajha a fait pendant une nuit 100 raka'at. Et quand il est sorti de sa prière, il s'adressa aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en leur disant: hier nuit, j'ai pu faire 100 raka'at. Taqila lahu halla takhafu min ar-riya. On lui a dit: n'as-tu pas peur de l'ostentation? Il a dit: mais comment peut-on avoir peur d'un acte que nous-mêmes n'avons pas posé? C'est Dieu lui-même qui a posé cet acte-là. Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu exploite. Ce n'est pas moi qui ai posé ces actes-là. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de dire que hier j'ai fait 100 raka'at. Parce qu'en réalité, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. C'est ainsi qu'on peut observer l'humilité quand on est grand adorateur. C'est ainsi qu'on évitera d'être un autre Satan. Satan, il n'y a pas un seul Dieu dans les cieux où il ne s'est pas prosterné devant Allah. Mais regardez la multiplicité de l'adoration qu'il a faite, ne l'a pas empêché d'être un lapidé, d'être un Satan. Parce qu'il pensait que c'était par sa force et son intelligence et que les autres étaient de moins que rien. Dès l'instant qu'un adorateur pense que moi je suis mieux que ceux-là parce qu'ils adorent Dieu moins que moi, alors en ce moment-là, l'ostentation, la vanité s'installe en lui. Et Dieu n'aime pas un serviteur vantard. C'est ce qui a habité Shaitan, et c'est ainsi qu'il est devenu Shaitan. Le mot Shaitan en langue arabe veut dire, est tiré du mot Shatana. Shatana, ma'anahu ba'uda. Celui-là qui s'est éloigné de la grâce de Dieu de par son orgueil. Alors ainsi, on va pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais parce que nous avons observé Dieu au commencement, Dieu au milieu et Dieu à la fin, nous allons voir une humilité sans faille. Et nous serons petits et nous allons nous humilier devant Allah, quelle que soit la grandeur de notre adoration. Et finalement, on va vers le quatrième type d'adresse. Et cela, c'est quand on se retrouve dans un état de désobéissance. Nous sommes des serviteurs. Si nous ne sommes pas obéissants à Allah, c'est que nous sommes dans la désobéissance. Mais il ne faut pas oublier, même la désobéissance est un type d'adresse vis-à-vis de notre personne. Dieu nous parle à travers la désobéissance. Regardez dans le royaume céleste, il y avait Shaitan et il y avait Adam, le premier être que Dieu a créé. Tous ont péché, ont été désobéissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'autre a compris le message de Dieu dans la désobéissance. Quand on désobéit à Allah, Dieu veut que nous nous repentions. C'est l'adresse. Il fait manifester la désobéissance en nous parce qu'il aime le serviteur repenti. Si le Dieu devant Allah subhanahu wa ta'ala demande pardon là, Dieu aime ça. Regardez, c'est une dimension purement humaine. L'ange ne peut pas s'humilier en demandant pardon parce que l'ange ne pêche pas. Et bien, mon grand monde, la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Ce sont des êtres que Dieu a robotiquement créés. Ils sont réglés dans l'adoration. Ils ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne sait pas désobéir ne sait pas demander pardon. Alors que dans la demande de pardon, il y en a une autre dimension spirituelle que Dieu veut de nous. Et Dieu a créé l'être humain sur cette dimension. Il désobéit, mais Dieu nous ouvre la porte pour faire un retour. Le véritable péché, ce n'est pas le péché, mais c'est plutôt refuser de faire un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala et nous savons de manière certaine que nous ne pouvons aucunement sortir de ces quatre grands états. Et ces états nous parlent
ou bien je dirais même que Dieu nous parle à travers ces étapes. Alors, si je me suis fait bien comprendre, vous allez me permettre, Inch'Allah, d'aborder, si vous le voulez bien, le sujet de notre assise ici, qui est les trois dimensions de l'islam. Vous savez très bien que nous sommes des musulmans. Notre religion garantit la plus grande spiritualité possible dans ce monde-là. Malheureusement, nous sommes avec des musulmans qui pensent que l'islam est la plus grande religion, mais qui cependant vont chercher la spiritualité ailleurs. Quelle est la valeur de l'islam si cet islam est dépourvu de spiritualité? Quelle est la valeur de la religion si la religion n'a pas de spiritualité? Avec quoi allons-nous vers Allah subhanahu wa ta'ala? Avec notre corps physique? Nous pensons que Dieu est l'esprit absolu. Et pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous passons tous par la mort. Pour que l'esprit qui est en nous soit débarrassé de toutes ses chaînes et effectuer un voyage spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que Dieu a bien voulu que le plus noble de tous les prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit notre prophète, nous, dernière communauté surgie. Vous avez été la meilleure communauté jamais surgie. On vous ordonne le méritoire et vous interdisez le blâmable. Et vous avez foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion donc est la plus grande religion pour ne pas dire qu'elle seule est la religion. Si la religion veut dire soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'islam est tiré du mot aslama qui veut dire il s'est soumis, nous disons qu'il n'y a que deux religions, la soumission à Allah et la rébellion vis-à-vis de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala sont tous musulmans depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc cette religion-là garantit tout accès qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette religion-là a des dimensions. Nous allons souhaiter la bienvenue à notre frère, le vice-président Inch'Allah, Ali Bali. Nous allons continuer avec la conférence, Inch'Allah. J'allais dire la causerie. Alors, donc, nous allons parler des dimensions de l'islam. Et nous avons dit dans notre propos, c'est ce que vous avez reçu dans les cartes d'invitation, que nous allons parler des trois dimensions de l'islam. Alors, j'aimerais que cela soit clair dans l'esprit de toute personne ici présente. En islam, il n'y a qu'une seule dimension. En islam, il n'y a qu'une seule dimension. Et cette dimension-là, c'est la dimension de la ilaha illallah. La ilaha illallah. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Est-ce que nombre de vous comprenez à dire cela? Tout à l'heure, mon frère Zakirou a dit La ilaha illallah, Allah, Allah, La ilaha illallah, Allah, Allah. J'ai senti que les gens, comme si on avait honte de répéter après lui. Soyez sûr que vous n'avez pas meilleure parole que ça. Non. Dans ça là, il n'y a pas je suis cadre, je suis imam, je suis papa, je suis maman. Tout le monde doit dire la ilaha illallah. Allah wa akbar. Ka molo ka la ilaha illallah lamine. Allah wa akbar. Pourquoi son ala grandu sallallahu alayhi wa sallam abu afdalu ma kultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Akunnu Muhammadu.
ani nabi mamu kena niye nam ayok maso herema miufo nam anga mol pela jere chema nam ude la ilaha illallah Allahu akbar e nislama malwala ka fonda ilaha illallah ibn akmat manu fo mi kapsadili okmate hujat man c'est dit quelle preuve tu as nam toi je suis musulman nam ude la ilaha illallah nam. Tu as si tu regardes tu diras que non j'ai un peu fond de dire la illallah oh malade mandé afam baria aussi Allah t'a appelé, il est pas bien. Vous voyez-vous, moi, je suis venu à savoir, tu vois. Nous, c'est là qu'un fou, on est un coup, qu'un chien, il est là, il a, il est là, parce que l'on est capé. Allah t'a appelé, on est un coup, on est un coup. Allah t'a fait, maman, on est un coup, on est un coup, on est un coup, on est un coup. Allah t'a appelé. Mais aïe la boga ou fonte, ben ça n'est pas. Ni tout m'a dégâts, folie la dion, on est un coup, on est un coup. Allahu akbar. Arabadi in yana mala baramika. Naam. Itu me baramika ka chaya ibisa bimi na ibo defo. Allahu akbar. On a vu des gens pendant leur mort. Naam. Quand on leur demande de dire la ilaha illallah. Naam. Il dit 1 million plus 2 millions ça fait 3 millions. Allahu akbar. Parce que toute sa vie il n'a fait que le commerce. Naam. Allez pour avoir le djati de la foukata sa. Na pour la ilaha baba fo la ilaha de bilan kere ni milan kere ni milan sa va. Alakan kisi tabu ma. Amin ya Sheikh. Mwanya na mala femika ibi fatu urika. Naam. Okoso angafo la ilaha illallahu. Allahu Allah. 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salamullah. Naam. Le véritable moteur Naam. Il remplit le cœur de foi. Naam. C'est là qu'il n'arrive pas. Allahu Akbar. Moi, l'obé, à la yu, son hikma de là. Naam. Moi, son discours avec vous, nége. Naam. Nége, moi, dans la bête, bana. Naam. La rue, là. Naam. Ça attrape le cœur. Naam. Mais, gars, à rue, vous bonnez féminin, vous dites là, il a une la folie. Allahu Akbar. Moi, son nége, alors, t'as la kama, c'est bon, belle et donnée. Naam. Quand tu es dans leurs entourages, Naam. Il veut tout qu'à là, il a la meka, tchaya. Nous voyons que la ilaha illallah n'est rien d'autre que le symbole de l'unicité de Dieu. Allahu Akbar. Kalimat al-tawhid. Naam. La parole qui exprime l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mimmi araw talaka kilibati yajira. Naam. Ude la ilaha illallah. Naam. Nabi manshimala. Mais ma foi la ilaha illallah. Allahu Akbar. Awa nabi manshima na pa mimma na la ilaha illallah. Poso. Allahu Akbar. Mais nous allons essayer Naam. De scinder la ilaha illallah en trois parties. Naam. Premièrement, Naam. Qui est la première dimension de l'islam, Naam. Elle découle de la ilaha illallah quand on accepte la ilaha illallah. Naam. Regardez bien, des gens étaient dans la mécréance. Naam. Quand le prophète Mohammed, son nom, est arrivé. Naam. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé le mécréant vers l'acceptation de la ilaha illallah. Aïe, bela jiroumoune, ka bo kafriyala, kata slamaya kono, ou ka son la ilaha illallah. Mais vous conviendrez avec moi, on peut accepter la ilaha illallah. Naam. Mais cependant, on n'a pas compris la ilaha illallah. Allahu Akbar. Mon chama de bé. Naam. O sona la ilaha illallah. Naam. Ou be sili. Ou be sou. Naam. Ou be tchakabo. Naam. Ou be hejike.
menga chienna o mala ilaha illallah famye Allahu akbar donc na kera de mamuyas mamun sunama na soro o ma famya ama foku c'est la première dimension de l'islam Allahu akbar mais parce qu'ils ont le mérite quand même d'avoir accepté ils sont musulmans mais il y a encore beaucoup d'états beaucoup de vides à combler Allahu akbar. Donc la première dimension, c'est l'acceptation de la ilaha illallah. La deuxième dimension, comme l'a dit le Tout-Puissant Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu sauf Allah. Allahu akbar. Regarde bien, sache. Donc il t'invite à la recherche de la connaissance qui pourrait te prouver qu'en dehors de Dieu, il n'y a d'autres divinités. Allahu akbar. Et ça encore, c'est une autre dimension. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a compris comment et combien Dieu est unique. Regardons ce que nous parlons de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-moi, quelle est dans ce monde-là la chose qui est unique? La chose qui est unique. Quand vous prenez Chérouf Oumar, vous allez trouver que Chérouf Oumar est un être composé. Allah. La tête. Il a ses jambes, il a ses pattes, il a tout ça là, l'être humain a ça, n'est-ce pas? Il est composé. Vous prenez même l'eau est composée. Vous prenez un grain de sable, c'est composé. On dit que Dieu est unique. Comment est-ce qu'on peut réfléchir, comprendre l'unicité de Dieu? C'est là que vous savez et que vous sentirez que la compréhension de l'unicité de Dieu là n'est pas du ressort de l'intellect de l'être humain. On a beau été intellectuel, on a fini les grandes universités du monde, mais si tu n'as pas quelqu'un devant toi pour t'apprendre à connaître la ilaha illallah, l'unicité d'Allah, tu ne peux jamais comprendre le mystère. La compréhension de l'unicité de Dieu relève d'un mystère de Dieu que Dieu donne à qui il veut. Donita tu. Tu peux même apprendre le Coran, mémoriser le Coran. Cependant, tu n'as pas compris comment et combien Dieu est unique. Allahu akbar. Tu m'as pas bien. Non. Et n'oubliez pas que si tu ne sais pas comment Dieu est unique, que tu le veuilles ou pas, tu es associateur. Allahu akbar. Ah, mais pour comprendre son unicité et l'observer, cela nécessite une véritable compréhension. Alors que toi, tu n'as pas compris combien il est unique. Donc, tu peux être dans l'adoration, mais cependant, tu es en train d'associer toute divinité à Allah. Allahu Akbar. Alors donc, il y a l'acceptation de la ilaha illallah. Il y a la connaissance et la compréhension de la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nous allons tendre vers la troisième dimension. Après, nous allons développer. Qui est vivre selon le principe la ilaha illallah. Allahu akbar. Al-amalu bi muqtada jarayani la ilaha illallah. Vivre selon le principe de la ilaha illallah. En réalité, depuis les cieux jusqu'à la terre, il n'y a qu'un seul principe. C'est le principe de la ilaha illallah. Allahu akbar. Et pour comprendre ça, on n'a pas besoin de faire le voyage de 100 000 km. C'est une question d'éveil spirituel. Dieu est là, il est partout, il est l'omnipotent, il est l'omniprésent. Donc quand on veut aller vers Dieu là, ce n'est pas une marche des pieds, mais c'est une conscience qui se réveille. Alors donc, si on a bien compris l'acceptation de la ilaha illallah, la compréhension de la ilaha illallah, et vivre selon les principes de la ilaha illallah, nous pouvons dire que nous avons là les trois grandes dimensions de l'islam. Allahu akbar. Amen. Nous allons nous expliquer. Vous savez, nous sommes en islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Omar ibn Khattab, le hadith qu'on appelle hadith ou Jibril, le hadith de Jibril, l'ange Gabriel. Dans lequel hadith, Sayyidina Omar ibn Khattab dit بينما كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر
ولا يعرفه منا أحد. نعم. Et pendant que nous étions assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non. Il y a un monsieur qui a fait apparition. Non. On avait l'impression que c'était un voyageur, non. Mais cependant, ses cheveux étaient d'une noirceur impressionnante. Non. Ses habits étaient d'une blancheur impressionnante. Non. Et il n'y avait aucune trace de voyage sur lui. Non. Et personne ne le connaissait parmi nous. Non. Il rentre, il va s'asseoir au côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il joint ses deux jambes à celles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Comme un disciple qui ira s'asseoir à côté de son maître. Non. Et ensuite, il pose les questions suivantes. Non. Il dit, oh Mohammed, akhbirni anil islam. Non. Donne-moi des informations sur l'islam. Non. Le prophète lui dit, les cinq piliers de l'islam que tout le monde connaît. Non. Croire en Dieu. Non. En double attestation et en son messager. Faire les cinq prières quotidiennes. Non. Payer la zakat. Non. Jeûner. Et quand on a les moyens, à nous faire le pèlerinage. Voilà là les cinq piliers de l'islam. Celui-là qui se conforme et qui se façonne dans ces piliers-là, non. Nous disons que cette personne est musulmane. Allah. Et on aurait pu dire que cela suffit. Mais on dirait que l'ange nous dit que ça ne suffit pas. Allah Akbar. Parce que si ça avait suffi, il se serait levé et partirait. Non. Mais il va au-delà de cette question, il pose une autre question au prophète Mohammed. Il dit, oh Mohammed, akhbirni anil iman. Non. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que la foi? Non. Déjà, on peut prier, on peut jeûner, on peut aller en pèlerinage sans foi. Non. Cependant, on n'a pas la foi. Allah Akbar. Dis-moi la foi, qu'est-ce que c'est? Non. Le prophète lui dit, non. Les six piliers de la foi. Non. Croire en Dieu, non. À ses messagers, aux livres révélés, aux anges, croire au destin, non. Qu'il soit positif ou négatif au jour de la résurrection. Allah. Celui qui croit en ça, on dit que la personne a une partie de foi. Parce que pour que la foi soit clairvoyante en nous, non. Cela nécessite autre chose que nous allons en parler. Allah. Mais regardez bien, non. Malgré tout ça, non. L'ange n'est pas satisfait. Allah. C'est comme si l'islam n'a pas suffi. Non. La foi n'a pas suffi. Non. Il pose une autre question. Il dit, akhbirni anil ihsan. Dis-moi Mohammed, l'excellence dans l'adoration là, qu'est-ce que c'est? Non. Wal ihsanu ma'nahu al-itqan, ay itqanu al-ibadah. Non. La maîtrise de l'adoration. Non. Regardez bien la puissance même des mots et le sens profond des mots. On peut prier tous les jours, non. Cependant on ne maîtrise pas la prière. Non. On ne prie pas de manière excellente. Non. On peut jeûner, non. Sans le faire de manière excellente. Non. On peut même avoir la foi, non. Alors que la foi n'est pas excellente en nous. Non. C'est ainsi que l'ange pose la question au prophète Mohammed. Dis-moi, la maîtrise de l'adoration, là, c'est quoi? Et le prophète Mohammed lui dit, non. An ta'budallaha, non. Ka'annaka tarahu. Non. Il dit, cela consiste à adorer Dieu, non. Comme si on le voyait. Allah Akbar. Combien de personnes parmi nous ici ont prié comme s'ils voyaient Dieu? Ça, c'est difficile. Combien de personnes ont payé la zakat comme s'ils voyaient Dieu? Combien de personnes ici sont allées en pèlerinage comme s'ils voyaient Dieu? Non. La première dimension, adorer Dieu comme si tu voyais Dieu. Non. Mais sache que si toi tu ne vois pas Dieu, Dieu lui te voit. Non. On a là deux grandes dimensions. Non. La première dimension, dans cette dernière dimension-là, non. C'est Al-Mushahada. La vision de Dieu. Non. Contempler Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre que cela relève d'une dimension spirituelle très élevée. Et tout le monde n'a pas les moyens de voir Dieu. Non. Et voir Dieu est une possibilité sur terre. Non. Vous savez pourquoi? Non. Parce que quand nous prions tous les jours, dans notre prière de tous les jours, non. Nous disons quoi? La Fatiha. Non. Et dans la Fatiha, qu'est-ce que nous disons? On dit Iyaka na'budu. Non. Ça veut dire, c'est notre toi
que nous adorons. Non. En arabe, quand quelqu'un est absent, on n'utilise pas le mot toi. Non. N'est-ce pas? Non. Si on a utilisé le mot ce n'est que toi que nous adorons, ça veut dire qu'il est là avec nous. En d'autres termes, si on avait une force spirituelle, cette force nous aurait permis de le voir. Voilà pourquoi nous avons utilisé ces mots. Ce n'est que toi que nous adorons. Allahu Akbar. Et dans la prière, il n'y a pas de parole fortuite. Non. Si Dieu a mis Iyaka Na'budu, c'est que ça a tout son intérêt. Allahu Akbar. On a prié 100 000 fois pendant notre vie. Non. Quand est-ce que nous avons réalisé cette dimension spirituelle? Non. Alors donc, je retourne. Non. Adorer Dieu comme si tu le voyais. Non. Mais si toi, tu ne le vois pas, non. Sache que Dieu te voit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu est aux aguets, il est au contrôle. Allah, il nous voit. Quand je dis ça, je me rappelle le dire de Omar, Abdullah ibn Omar, qui était en train de faire la tawaf. Quand Rolwa s'est approché de lui, qui était lui aussi un autre compagnon du prophète Mohammed, il lui dit que je demande la main de ta fille pour mon fils. Il n'a pas répondu à ce dernier. Ils sont tous compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après qu'il ait fini de faire la tawaf, il dit à Urwa, il dit inna in kunna fi tawaf natara Allah amama ayunina. Allah, et nous autres, quand nous sommes en train de faire la tawaf, nous voyons Dieu devant nous. Allah Akbar. Et nastash'iru wujud Allah subhanahu wa ta'ala amama ayunina. Alors regardez lui déjà dans sa dimension, pour dire que ce n'est pas une dimension, j'allais dire illusoire. Non. Il existe bien et bien ce compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pénétré déjà cette dimension. Allah. Nous parlons de cette pure dimension qui relève de la dimension de l'excellence dans l'adoration d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voir Dieu. Non. Si tu es incapable de voir Dieu, non. Sois conscient que Dieu te regarde. Non. Nous sommes combien qui sont conscients que Dieu nous regarde. Non. Quand tu es dans ta voiture, je vais prendre un CD. Non. Et que tu penses que Dieu nous regarde, il est à côté de moi. Non. Quel CD dois-je choisir pour mettre dans la voiture? Allah. Je suis avec ma femme dans la chambre, elle seule. Non. Je vais agir d'une manière non. très vilaine. Non. Et je ressens que Dieu me regarde. Non. Alors quel serait mon comportement vis-à-vis de ma femme? Je suis dans un endroit où personne ne me regarde. Non. Je vais agir non. d'une manière qui ne plaise pas à Allah. Non. Si je réfléchis que Dieu est avec moi, quel serait mon comportement? Ainsi, non. le serviteur sentira comme si Dieu était au-dessus de lui et partout. Allah. Cette dimension-là, non. ce ne sont pas tous les adorateurs qui l'ont. Mais quand je parle de cette dimension, non. un jour, non. il y a un bédouin. Non. Qui rentre, il trouve l'imam d'une mosquée. Non. C'est un grand chef. Non. Il va, il pose la question à l'imam. Non. Il dit, oh, imam, je voudrais savoir. Non. J'ai péché. Et j'ai regretté mon péché. Non. Est-ce que Dieu me pardonnera mes péchés? Non. L'imam lui dit, non. sans aucun doute, Dieu te pardonnera tes péchés si tu te repens de manière sincère. Non. Et mieux que ça, Dieu même va transformer tes péchés en mérite. Allahu Akbar. Le bénin lui dit, mais ainsi je pourrai profiter du paradis. Il dit, mais bien sûr, tu pourras profiter du paradis. Non. Le bénin est content. Non. Il marche, il fait quelque part pour sortir de la mosquée. Non. Et à la sortie de la mosquée, non. le bénin change de visage. Non. Il retourne à l'imam. Non. Il dit, monsieur l'imam, non. je veux savoir. Quand j'étais en train de pécher, est-ce que Dieu m'avait vu? Est-ce qu'il me regardait? Non. L'imam lui dit, mais bien sûr, il sait tout et il voit tout. Non. Vous savez ce que le bédouin dit? Il dit, wa sa'atahu wa in afauta. Non. Il dit, quel vilain acte de moi, même si Dieu tu m'as pardonné. J'avais tout mis à la sauce là, j'ai tout mis bien, j'ai tout mis dans un flamant comme moi. Et baron, tu as tout vu à la salle, Ali y a pas la mal. Allahu Akbar. Il n'a pas pu supporter le regard de Dieu. Et sur le champ, il a rendu là. Allahu Akbar. Ayafu Allahu Akbar. Il faut qu'on sente en vous que vous êtes dedans. Voilà, on ne veut pas devant un corps amorphe. Il faut que ce corps vive là, Inch'Allah. À la carte de mai. Amen.
Alors, qu'est-ce qui se passait? Ce bébé n'a pas pu supporter le regard de Dieu et il en est mort. Regardez bien. Nous tous, nous sommes des humains. Avons-nous réalisé ce regard de Dieu là? Dieu dit, Abdi, il compta. Serviteur, si tu penses que je ne te vois pas, cela est parce que tu n'as pas assez de foi en moi. Mais si tu as foi que moi, Dieu te regarde, pourquoi as-tu minimisé mon regard? Pourquoi as-tu minimisé mon regard? Nous tous, nous sommes dedans. Nous sommes tous conscients que Dieu nous regarde. Est-ce que cela nous empêche d'agir négativement? Nous sommes cachés de l'imam. Nous sommes cachés de notre frère. Mais nous n'avons pas eu honte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons minimisé le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Falima ja'altani ahwal al-nazri. Alors donc, ce hadith-là, qu'on appelle hadith ou Jibril, le cher imam al-Nawawi, il dit que ce hadith-là, il appelle ça Asluddin. Il dit que c'est l'origine même de la religion. L'imam al-Qurtubi, il dit que ce hadith-là, il dit Asluddin, que c'est la base même de toute la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Tapir, il dit, qui est aussi un grand savant, qui dit que ce hadith-là, la place qu'il occupe dans les hadiths, c'est la place que occupe la Fatiha dans les sourates du Coran. Allah, qui veut dire que ce hadith-là est posé comme Umm Sunna, hadith ou Jibril. Et dans ce hadith-là, nous voyons automatiquement trois grandes dimensions. La dimension de l'islam, les cinq piliers de l'islam. La dimension de l'iman, et les six piliers de l'iman. Et la dimension de l'ihsan, avec ces deux grands piliers. Le voir ou bien être conscient que Dieu te regarde. Allah, Akbar. Mais mes frères, regardez quelque chose. Cette dimension-là, c'est celle-là qui fait de notre adoration une véritable adoration. Je prends l'exemple. Deux personnes, tous les deux ont mémorisé le Coran. Les deux se sont arrêtés devant Allah. L'un a dit Allahu Akbar, il a respecté tout ce que les fuqaha ont dit. L'autre a dit Allahu Akbar, lui aussi a respecté tout ce que les fuqaha ont dit. Les deux ont prié. À la fin de leur prière, on a vu que le premier, lui, il a prié pour qu'on le voit, pour se faire voir, pour se faire voir. Celui-là, est-ce que Dieu accepte la prière? Dieu n'accepte de prière que lorsque la prière est faite pour lui. Allah, Akbar. Il n'a pas prié pour Dieu, il a prié pour lui-même. Dieu a vu sa prière malgré le fait qu'il ait mémorisé le Coran. Cette croix est là, mais Dieu dit, je m'en fous de cette prière. Il a mémorisé les hadiths, Dieu dit, je m'en fous de ça. Pourquoi? Il y a un petit problème dans son cœur. Il n'a pas réalisé qu'il devait prier pour moi. Il a prié pour lui. Ce n'est pas le fait d'emmagasiner beaucoup de choses dans ta tête, mais c'est de comprendre comment adorer Dieu de manière excellente. Voilà quelqu'un qui a mémorisé tout le Coran, mais son Coran n'a pas servi à grand chose parce que seulement il avait une impureté dans le cœur. Donc ainsi, faisons beaucoup attention. Nous avons bien compris que quand nous disons qu'il y a trois dimensions de l'islam, nous n'avons rien inventé. Cela ressort de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons donner maintenant les détails de ces trois grandes dimensions que nous avons assez de temps. Parce que moi, naturellement, quand je fais la conférence, je m'assois pour recevoir aussi des questions. Parce qu'on ne veut pas repartir sans donner plus de précision pour tout ce que nous avons dit. Alors donc, on a encore 15 minutes avant de recevoir les questions, sinon 10 minutes. La première dimension de l'islam, de la religion qui est l'islam, a trois grandes bases.
ce sont des stations. Non. La première station, non. La première dimension, non. C'est à Touba, le repentir. On ne peut pas être musulman sans se repentir de ses péchés. Non. Parce que nous sommes tous des êtres païens à l'horreur. Nous sommes tous des êtres païens à l'horreur. Nous sommes tous pécheurs, mais le meilleur parmi nous sont ceux-là qui demandent pardon quand il a péché. Non. Le Satan veut nous faire croire que tellement que nous avons péché, non. Que Dieu n'a plus besoin de nous. Dès l'être humain, que notre humain, dès l'instant que notre humain est pénétré par cette manière de voir, non. Il ne fait plus un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et il devient une proie facile dans le main du shaitan. Quelle que soit la grandeur du péché, le pardon de Dieu est encore plus grand. Donc, la première base de l'islam, c'est le repentir. La deuxième, c'est al-istiqama, la droiture. Non. Tu as demandé pardon à Dieu. Non. Maintenant, fais tout pour être correct. Non. La troisième base, c'est at-taqwa. Non. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Vous savez, les gens n'ont pas les mêmes dimensions spirituelles. Le débutant, il a sa crainte. C'est craindre de faire ce que Dieu a interdit ou bien craindre de laisser ce que Dieu a permis. Dans tous les deux cas, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la crainte des connaissances de Dieu, de ceux-là qui ont atteint une certaine dimension spirituelle, c'est une crainte qui est relative à leur cœur. Leur cœur qui est devenu un sanctuaire de Dieu-là, ils ne veulent voir rien d'autre dans ce cœur-là en dehors de Dieu et ils craignent de perdre ce Dieu-là. Ceux-là sont pénétrés d'une dimension spirituelle très très élevée. Ou à Adam ou Khoutouri, si ou à Fidhatili, ou là, il ne peut pas concevoir lui qui a atteint Dieu, lui qui voit Dieu, Dieu qui est bon là, voir autre que Dieu. Allahu Akbar. Il y a des gens qui sont pénétrés de cette dimension. Non. Alors donc, nous avons, par rapport à l'islam qui est la première dimension de cette religion, on a trois bases. Al-Tawba, qui est le repentir. Al-Islam, qui est la droiture. Et Al-Taqwa, qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dis que les gens n'ont pas la même dimension et la même manière de voir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Nous allons aller vers la deuxième dimension de l'islam, qui est Al-Iman. Non. Al-Iman, qui est la foi, a aussi trois grandes bases. Non. La première base, non. C'est ce qu'on appelle As-Sidq. Non. Être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Être véridique dans sa quête de Dieu. Non. La plupart de nous, nous ne sommes pas véridiques dans notre quête de Dieu. Non. Pourquoi je dis cela? Regardez, la plupart des gens n'ont pas pour cible Dieu. Non. Ce n'est pas une véritable quête. Non. On est là, on adore Dieu par pur suivisme. Mais est-ce que c'est Dieu que nous recherchons réellement dans notre adoration? Il faut te mettre en pause souvent pour voir. Eh, même le kanga ala bato. Est-ce que tu n'as ni ni ala biwa? Tu peux avoir pour quête, excusez-moi de le dire, le paradis. Non. Mais être véridique, ce n'est pas ça. Allah être véridique, c'est faire de Dieu ta cible réelle. Parce que le paradis est une grande chose, mais malgré sa grandeur, c'est un don de Dieu. Non. Il ne faut pas négliger le donateur pour le don. Allah Akbar. C'est Dieu qui donne. Non. Il est le donateur. Non. Et il a donné le paradis. Non. Mais lui-même là, il est encore plus doux que le paradis. Allah Akbar. Il faut que tu sois véridique dans ta quête de Dieu. Non. Si tu es véridique dans ta quête de Dieu, non. Ta récompense appartient à Dieu. S'il te donne le paradis, c'est son problème. Mais non, toi là, c'est lui que tu cherchais. Non. Donc, Al-Iman, sa première station, c'est As-Sidq, et la deuxième station, c'est Al-Ikhlas, la sincérité. Est-ce que nous sommes sincères avec Dieu? Elhaj Ouattara, est-ce que nous sommes sincères avec Dieu? La sincérité, très souvent, on n'a pas encore compris la profondeur de la sincérité. Non. Être sincère avec Dieu, non. C'est écarter toute forme d'intérêt dans ta relation avec Dieu. Allahu Akbar.
Est-ce que dans notre relation avec Dieu, il n'y a pas un intérêt quelconque que nous recherchons? Al-ikhlas huwa ikhraj siwa fi mu'amalatika ma'a al-haq wa nafsuka siwa. Allahu Akbar. Si en toi, non. Il y a un ressort en toi, pourquoi tu travailles? Non. Ce n'est pas pour Dieu que tu travailles. Allahu Akbar. Voilà pourquoi les amis de Dieu disent non. Que l'être humain, non. Pour être sincère avec Dieu, non. Il doit être anéanti en Dieu. Parce que si tu n'es pas anéanti, ça veut dire que tu existes. Et si tu existes, là, il y a quelque chose en toi qui te retire. Allahu Akbar. Et la présence de Dieu écrase toute forme de présence. Allahu Akbar. C'est lui seul qui est subsistant et son existence dépend de lui. Allahu Akbar. Toi et moi, notre existence dépend de Dieu. Non. Donc, en réalité, là, non. Celui dont l'existence dépend d'une autre chose n'a pas d'existence réelle. Attends. Et seul Dieu a pour existence une existence qui n'est pas du ressort du néant. Non. Parce qu'il faut comprendre bien, quand tu dis que Dieu est l'existence, non. C'est pas dire qu'avant il n'existait pas et maintenant il a commencé à exister. Non, non, non. C'est pour juste symboliser son essence. Non. Son essence a toujours été là. Non. Et c'est l'existence absolue. Non. Alors donc, cette essence-là, non. Il faut être sincère avec cette essence-là. Non. Et il faut écarter toute forme d'intérêt. Non. Entre toi et Dieu. Non. Cherche Dieu. Non. Sois sincère dans ta quête de Dieu. Pour symboliser cela, si tu vas vers quelqu'un, non. Tu es allé vers lui, il t'a donné 1000 francs. Non. Tu es parti, un autre jour tu es arrivé, il t'a donné 2000 francs. Non. Tu es parti, un autre jour tu es arrivé, il t'a rien donné. Non. Et quand tu es parti, tu n'es plus revenu. Non. Qu'est-ce qu'on dira? On dirait que l'homme-là n'était pas sincère avec l'imam Dawi. Hein. Non. Depuis que l'imam Dawi a arrêté de lui donner de l'argent, il ne vient plus. N'est-ce pas? Non. Il n'était pas sincère avec lui. Non. Il n'a pas vu l'imam. Il a vu le don de l'imam. Non. Et c'est ça qui l'avait attiré. Non. Dieu, comme on met de la part pour attirer, non. Dieu nous a mis la part du paradis. Non. C'est pour juste nous attirer. Non. Pour voir celui qui adore Dieu pour lui-même ou celui qui adore Dieu pour une créature et le paradis est une créature comme toi. Allahu Akbar. Moi deux. Non. Moi qui est là, je n'adore pas le créateur pour la créature. Allahu Akbar. Même si cette créature s'appelle le paradis. Allahu Akbar. Je suis sûr que celui qui l'a créé là, il est vivant. Non. Et voyakhuluku ma la ta'lamun. Non. Il crée ce que vous ne savez pas. Non. N'est-il pas possible que Dieu crée quelque chose de plus attrayant que le paradis? Non. Dites-moi, est-ce que cela est impossible? Est-ce que Dieu nous a donné information sur tout ce qu'il a créé? Non. Ce que vous avez comme savoir est très peu. Non. Donc nous ne savons rien. Alors donc soyons sincères avec Dieu. Non. Dieu là, ce qu'il a là, est encore plus grand. Non. Alors donc la troisième dimension, non. Après la sincérité, non. C'est ce que nous appelons Atumanina, la non. Sérénité. Non. Vous savez, celui-là qui est véridique avec Dieu. Non. Celui-là qui est sincère avec Dieu. Non. Finalement, il est serein. Il n'a pas peur que quelque chose lui échappe encore. Pourquoi son véritable allié, c'est Dieu. Non. Et celui-là qui a pour allié Dieu, non. Ne peut être que serein. Allahu Akbar. Albi, Amada, Alalabi, Anyama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cette sérénité là, non. C'est celle-là qu'il faut chercher et c'est ça qui est l'équilibre réel. Non. Quel que soit le preuve, toujours équilibré. On voit les gens, par la force de l'épreuve, ils vont se donner à la mort. Non. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de dimension spirituelle dans ces personnes-là. Non. À la tandimé. Alors on va arrêtez là, et on va aller vers la troisième dimension qui est Al-Ihsan. Al-Ihsan aussi a trois stations. Non. La première station, non. C'est Al-Mushahada, la vision de Dieu. Non. La vision de Dieu est une grande dimension. Non. Mais je vais plutôt dire Al-Muraqaba, c'est observer Dieu tellement tu ne façonnes plus avec la matière. Tu vois au-delà de la matière, celui qui a créé la matière, tu
tu apprends à voir Dieu dans toute sa créature. Allahu Akbar. Et à force de vivre ainsi, non. Finalement, tu ne verras même plus la créature, tu verras que le Créateur. Allahu Akbar. Et c'est une vision, et elle est possible. Non. On appelle ça Al-Muraqaba. Non. Et tellement tu observes Dieu, non. Tu finiras par voir Dieu, et cette dimension s'appelle Al-Mushahada, la vision de Dieu. Non. Et si Dieu est non. existant, non. c'est qu'on peut le voir. Allahu Akbar. Alors donc, quand on quitte là-bas, non. on atteint une dimension appelée Al-Ma'rifati, la connaissance de Dieu. Non. Parce que j'ai l'habitude de le voir, maintenant je le connais. Non. Et si je ne le connais pas, non. je ne sais pas l'adorer. Allahu Akbar. Si je ne le connais pas, non. je ne sais pas l'adorer. Voilà non. pourquoi nous disons que l'adoration... La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Et l'islam qui n'est rien d'autre que l'excellence dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que cela commence par observer Allah à travers toute sa créature jusqu'à ce qu'on finisse voir Dieu. Et finalement, on connaîtra Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'observation de Dieu, non. la vision de Dieu non. et la connaissance de Dieu. Non. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de Dieu? Non. La connaissance de Dieu, non. c'est voir la perfection divine non. à travers toutes ses manifestations. Allahu Akbar. Dieu est un Seigneur parfait non. qui nous a créés de manière parfaite non. pour atteindre la perfection. Allahu Akbar. Donc, voir cette perfection-là, tout non. ce qui se passe dans l'existence, se passe de manière parfaite. Allahu Akbar. Que ce soit positif ou négatif. Non. Il faut connaître Dieu pour savoir que ce qui est négatif pour toi, là, est pour d'autres personnes positif. Allahu Akbar. Il n'y a pas de positivité absolue et il n'y a pas de négativité absolue. Attendez. C'est toujours relatif. Allahu Akbar. Alors donc, celui-là qui... s'élève à cette dimension non. et qui voit cette perfection divine non. parce que dans ce monde là seul Dieu se manifeste Allahu Akbar. Alors celui qui comprend ça non. cette personne connaît Dieu et si cette personne connaît Dieu cette personne est apte à adorer Dieu mais dans l'ignorance de Dieu l'adoration n'est pas possible. Allahu Akbar. Dans l'ignorance de Dieu, non. que tu le veuilles ou pas, non. tu es polythéiste. Il y a trois types d'associations, de formes d'associations. Non. Est-ce qu'on appelle Ashirku Al-Jaliyu? Non. Moujoukiya Mbangelimbe? Non. Katayiru de l'Essetana Bato? Non. Bebo non? Non. Bebe se kaya ramabou lake? Non. Mengani ramabou lao? Non. Itana miri kafokoui itlalade imatlabok? Allahu Akbar. Et ce qu'on appelle Ashirku Al-Khabiyu. Non. Prangafoyami Nabugunendo. Non. C'est dès l'instant que tes neveux agissent en toi. Et fait que quand tu agis là, tu agis pour ton neveu là. Non. Ça veut dire que tu agis pour une autre divinité en dehors de Dieu. Allahu Akbar. Et le prophète disait non. que depuis les cieux jusqu'à la terre, non. il n'y a pas une divinité qu'on adore comme l'ego. Allahu Akbar. Pour qu'à ta simple pour Douma. Non. À la teigne. À la même bateau qu'à tes mêmes lignes du Bokan. Allahu Akbar. Il y a la Yambele Gri. On fait ça pour quelque chose. Non. Et généralement, c'est notre ego qui nous pousse à agir. Ce n'est pas Dieu. Allah et je dis, quand ce n'est pas Dieu qui te pousse à agir, non. tu n'as pas de récompense auprès de Dieu. Allahu Akbar. Donc, ce type d'idole-là, non. il est subtil, mais il est là quand même. Allahu Akbar. Il y a des gens, ce sont les systèmes qu'ils adorent, sans le savoir. Non. Il est dans un mouvement, c'est ce mouvement-là qu'il adore. Non. Qui sont ceux-là qui adorent Dieu vraiment? Qui sont ceux-là qui sont dignes de porter le nom d'adorateur de Dieu ou de serviteur de Dieu? Non. On a tellement d'idoles, apparents et cachés. Alors, le troisième type d'idole, non. ou d'association, on appelle ça Shirkun Akbar. Allahu Akbar. Cette forme d'association-là, non. elle est encore plus subtile que le subtil. Allah, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour donner un exemple, il a dit non. que, pour comprendre ça, il dit « Akhfar min David bin Namlati Sauda »
ala sakratin sama fi zulmatil layl. Non. Et c'est plus subtil que les traces d'une fourmi noire. Non. Dans la nuit noire. Non. Sur une pierre noire. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire que il est très difficile de trouver quelqu'un qui n'est pas dans l'association de divinité à Dieu. Allahu Akbar. Et quel que soit le type d'association, non, que ce soit apparent ou caché, non, si tu meurs avec ça, tu vas en faire. Allahu Akbar. Si on a pu échapper non, la première forme d'associationnisme, mais est-ce que nous avons échappé les autres formes? Et comment doit-on faire pour échapper à ces autres formes? Reste et comprendre que la dimension pouvant te permettre là, c'est l'Ihsan. Non. La troisième dimension là, quand l'ange est arrivé là-bas, non, il n'a plus posé d'autres questions. C'était le plafond. C'est comme s'il était en train de nous dire non, que l'islam là, c'est pas ça. Non. L'iman là, ce n'est pas ça. Non. La chose réelle là, c'est l'Ihsan. C'est comme quelqu'un qui est au cours primaire. Si lui aussi dit qu'il a le code, on dirait que tu as le code, mais quand même d'abord 46 bien non. Allah, celui qui est allé aussi au lycée, non, quand on est allé au lycée là, quand même d'abord 46 bien non. Kalam d'abord il est université là qui a diplômé au sol. Avant qu'on voit tout de la fille kalangé. Allah Akbar. Sinon avant qu'on puisse tu resteras. Allah Akbar. Mon gars, t'as parlé, diplômé mon boulot, mon boulot, t'as pas celui des kalangé. Non. Donc à la carte ici. Amen. Alors donc pour finir, non, je récapitule en deux mots. Non. La dimension de l'islam commence par le repentir. Non. Mais la réalité du repentir, non, c'est se repentir de ne plus se repentir. Allah, okay. C'est compliqué de comprendre ça. Hakika tu toba, huwa toba tu mina tobati. Non. Parce que repentir, c'est quoi? C'est faire un retour vers Dieu. Non. Si chaque fois tu fais un retour vers Dieu, c'est que tu ne t'es pas en lui. Non. Niamh écoute bien, mais t'as Abidjan. Non. C'est que tu connais Abidjan, tu connais. Mais dis qu'on tourne Abidjan, qu'on est où? Il t'a fait connaître Abidjan, tu connais maintenant. Donc si tu pénètres Dieu là, non, demeure en lui. Allahu Akbar. Et c'est ça la réalité du repentir. Allahu Akbar. Donc ça commence par le repentir et ça finit par la connaissance de Dieu, non, qui est le plus recherché. Et le repentir est mieux que la connaissance de Dieu, parce que la connaissance de Dieu est un fruit du repentir. Allahu Akbar. Anda pokok dia kat sana ni fai. Nah. Baik kat sana dia ni mungkin sudah dia murah fadil lah. Nah. Donc Allah kan dia ni. Amin. Donc en un mot, voilà l'islam et ses trois grandes dimensions et les neuf stations liées à ces trois grandes dimensions là. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par la kan dia ni. Et nous finissons cela en disant que mandan laka ila dunia. Nah. Fakat khanaka. Allah, c'est lui-là qui te guide vers le monde. Non. Il dit qu'il faut travailler, c'est le monde là, si tu l'as, tu as tout. C'est lui-là, il pourra trahir. Non. Depuis Allah est bien dans ma chima de l'Ikadien Sor. Allah, ma chité dans son repas. Allah, awa n'y ka karamoche kara karamoye karamo me djien de gire là avec un qui trompe lui. Allah, mandallaka ila la amali, takat at'amaka. Non. Moi, je suis un peu plus grand que le bricoleur de l'Opé. C'est un peu plus grand que le bricoleur. Non. Peut-être que Allah se répète à l'Inès Rosam, mais il s'est dit. Non. Il s'est dit. Mais il y a. Mandallaka ilallahi faqad nasahaka. Mais il y a un ami à la girilla. Non. Qui est là à tirer la vie. Aya connaît Guyanier. Non. Je suis allé à l'Allah, il a dit l'humour. Pain bela, il est choc à la dame. Non. Ni mami à la soro. Non. Il est sera moulila. Oui. Fouille. Ni mami à la soro. Non. Il est moulin soro. Fouille. Alaka à la dame. Non, bien sûr. Comment vous n'avez pas un djidjaka à la soro? Non. Pain bébé banca, pain kele min tuy. Où est-ce que Allah. على كلا دم، آمين. على كلا دم، وآخر دعوانا عند الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إلا الله.
question. Nigalou, entre la tâche de Dola, Je vais vous dire que pour Alabu, Alakrama, pour Mohamed, pour ma 11 années, pour ma fille, tu es ma fille, mais plus quoi cela pour le fatigué, si elle n'est pas fort, qu'on y a qu'à la chienne, pour qu'elle soit pour un âge, pas heureux. Plus quoi cela pour le fatigué, en tant qu'un gars, c'est naïf. De fait, on y a un état où on a un état. Cela pour le fatigué, en nature de lui, tout à fait, voilà. Tout à la Mohamed. Merci. Bon, on va prendre quelques deux ou trois questions, on a déjà bien en fait. Bon, ok. À la fin de mon grand frère Cheikh Amine a dit qu'on n'a pas besoin de prendre beaucoup de questions parce que là, c'est plusieurs questions qui sont posées à la fois. La petite Fatih, est-ce que nous ferons là où c'est qui est doit? Ah, ma écoute-toi, il dit. Abdoulaye Yankini, il danse, il dit. Il y a une question de Yanaï Kosovet. Peut-être qu'il y a une question de poser à moi. Il va donc en étudiant. Je n'ai pas tant pour nos enfants en étudiant. En tant que mon chila, il n'y a pas de faux de la guérina. Je suis un bon fait ni ma taille qu'à dabla ni dans la fana faux de la guérina. À la cantatiania, à la casse-bati, à la camp partie à la commune. Avant notre menace, maintenant sur le cas, il y a une question de Djabi. Follow. Je suis un peu mental. Après, je suis un peu fatigué. 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 Je suis un peu entre équivaut et mieux que. Et c'est une autre famille. C'est la petite partie. Soli Waratou. Soli Alakra Mohamedou au Doro Lido. Léa Lagé à Koro. Fouita pour nous permettre à la Kra Boué. Awa. Mena, il a pas mis à la possibilité de nous prendre le compte. Amen. Mille la donne à la Boué. Salat al-Fatih de Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatih ma ulika ho ala ma ngini fe iga soli ke an kutri bayinkan Muhammadu miy Muhammadu al-Fatih ma ulika minna min noro ala yudu nor ala noro fulo min dan ka soro dayle fo tunje wakati bina ni ala tala ya la ngini ka ka soro ke ay fen fulo do le dan o de tera ala kira noroge donc a fora ko al-Fatih ma ulika minna ka fen daye le fen tu turundo so baliye tuulide menga soye dalalide ya kore wal khatib bi masraka ale minna kan le non to so odra li fen ye anana ka dafa odra li mune odra li dina ode ye ale ka dina na ka dina to dafa nasir al haq bil haq minna li chiye chiye me chiye koro ude me chokore djemale gafe koro injila zabura sufi ibrahima nuno bela jere ala dala ka makan de mega qur'an na na ka nuno bela jere ndebe utaba wa hadi ila siratika almustaqim ani inna na ka bau kana ka to la sirat sabatinda o manyora wa ala alihi haqa qadri hiya bidani alazim ika soli ngona ke ala ka rasulullah ye ala ka yira buri hakka de mira ma chité à la grave bonne hacket de Bayra pour tout à l'autre groupe. Ako, pour ma paille, la ya amkuni hakatu arabi. Ako, china de Mohammed le premier. Pour ma chité, donc, ma mida. Donc, ma chité, ma mida, pour à la miada, au hacket, ma chité à hacket de l'autre groupe. Ako, pour ni solution, qu'il y ait.
soit ma bouche à ma tigarité. Avocat si dit mon dénommé, afin de pour Mohammed ou Bakri, allez des solides fonds. C'est là à l'île habitale, puis n'a du balara, ni à la guerre, et bien solide dame le temps sera connu. Cheikh Amadien de la Mouron sera canné, allez à Tapana Barakenaï, à la Kraya Foyokoni, ni solide Kalachien, Kine, Mando Kona Kalanka, Dirichien, Baworo, avec Paradis, ni sera la Nepanabaye, on a dit. Ota dira ka foko soni ka foko salati fati ka salu korna ida utere chama tien ko ako kurana ka salu salati fati yoro flala ayoro foro ako bin heisi jate yi al heisi ya tuula ako kurana yi ala tala ka kuma kan yi ala ka sana dan fo yi tuku mi aka kuma ka fuka salu kuma kan be fala yi tuwa la ukele aflana ako kurana ka salu soni bela jiri femina seke niye kurana kona mwa be seli tuwa mi il est structurellement comme une kera comme une naké il va bien comment on a mais il y a une seule qualité de chien pour nous au terrain à quoi nous aurons à tous pour n'a qu'à vous saluer comme belle d'une mais il y a la joie sorati donne à pour banga que pour un atema pour un moment pour y aller les ina amour son nous allez y pour cette moutre sliman alors de la main pour vous à la craque ou comment son là allez y a sorat en voie il est dans son nom d'un coupé allez y a chan comme un bien sur les chiens qui n'est qu'elle est Muhammadu kan ko ala utara be solution tanke ale kan loko ala utara ka solution ko kirewo ko be ben korna jigi shen de ma ala utara aka solution ke kan shen kire ko baraji a be ben korna shen de ma eta ko ti na ga jimiya suno danta ala bana bi fina ka fara mi kan wo ko de amma fo ka ka fisana ko ya adilu si ça ouvre, il est parfum moi, parfum cadier. Ni il a toujours parfum cadier. Inch'Allah, la cadier. Ni il donne un avion qu'on a. Voilà, il sera free shop donc qu'on a. Il est parfum dans le sens 100 000 francs. Vous savez? Mais il y a qu'à 10 factures, 2 mois. Il peut dire ça à 3 dollars. 3 dollars 10 000 francs, 3 dollars 15 000 francs. Mais comme il y a parfum, ça sera 100 000 francs. Est-ce qu'on va dire qu'il y a beaucoup de parfum qui a fait ça? Ni quitter un bébé ça haut. Mais ni parfum de amir ma. C'est un produit de luxe le parfum. La salade de Fati, c'est un produit de luxe. À la taille de ma. Si tu n'as pas ça là, c'est que tu n'as pas le moyen d'acheter le produit de luxe. On ne t'en veut pas pour ça. Mais ne nous dis pas que notre affaire là n'est pas bon. Nous, on l'utilise, on voit le bienfait qu'il y a dedans. Donc après encore une fois, à ma magie, j'ai oublié à qui casse la fatigue. Encore une fois, nous faisons. Mais va falloir alors tu la trier, alors tu la cavolu. Wallahi billahi tallahi. Il est la fatigue sans qui ne connaît ni la carte à payer. À tes problèmes pour la nima dalake. Et moi, j'ai le mot là. Anya le mama la ni noro bula ben c'est la fatigue qui est Moubake, à ne mouvre de bouc à Kessoko. Oh, à Chama de ma boca, mais le mauvais son de la boca, qui a un mauvais calama. Donc à la carte de me, Inch'Allah. Alors, si elle est chiant, mais c'est là. C'est la dernière question. Alors. Allô. Bon, je voudrais m'associer à tous ceux qui ont remercié le chef. Et je voulais poster aussi les appelants aujourd'hui pour poser des questions. En effet, nous avons beaucoup appris dans cette brève intervention, beaucoup. Et je voulais poser deux points sur lesquels je voudrais vous poser. Le premier point, on a compris que l'islam rentre par l'obéissance et le respect de ceux qui viennent de l'islam. Ensuite, on évolue progressivement vers la croyance réelle et puis on va maintenant vers la bienfaisance de l'islam. On est d'accord avec ça. Vous avez dit que pour faire ce parcours-là, il faut quelqu'un qui vous attrape et qui vous quitte. Bon, ça c'est là que je me pose la question.
parce que si tous les musulmans doivent avoir quelqu'un pour les écouter comme ça, ce sera compliqué d'évoluer maintenant dans ce sens. Quand je suis allé une fois à une conférence de Ahmad Kabli, eux ils ont dit qu'il faut pour que là il y ait une relation de le faire, il faut sortir. Pour aller dans, pour faire le courroux jusqu'à s'habiller là, comme ils disent. Ceux qu'on appelle aujourd'hui la Sunamawa, eux ils nous disent que c'est le respect strict et j'allais dire sans condition de tout ce que le prophète fait. Moi personnellement je pense que si on fait la pratique et qu'on est vraiment sincère, on peut évoluer parce qu'en fait c'est Dieu qui dit qu'on peut évoluer dans ces différentes dimensions là. Mais voilà, donc je voulais votre avis parce que si on doit toujours avoir quelqu'un dans le sujet, qui va guider l'autre, qui va guider l'autre. Deuxième question. Vous avez dit que quand on arrive au stade. S'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît. Quand on arrive au stade du stade, on est en Dieu. Là aussi, je me pose la question. Parce que moi, personnellement, quand j'ai lu le Coran, on voit clairement la distinction entre le Créateur et sa créature. Comment une créature peut être totalement en Dieu? Et vous avez dit non, il faut se repentir de ne pas se repentir. Moi, je pense que c'est le repentir permanent et l'effort permanent qui fait réellement le serviteur de Dieu. Comment on peut être à l'intérieur et puis totalement, et puis ah, finalement, on ne va plus faire péché, et puis finalement, on est à quel stade? Est-ce qu'on est. Bon. Est-ce qu'on est Dieu? Que Dieu nous aide. Voilà, pourquoi m'appeler Inch'Allah? Donc, franchement, cher. Donc, on a pas assez de temps pour répondre à tes deux préoccupations. Mon frère. Ça comment monsieur le Ali Touré, ta question est très très pertinente. Sinon tes questions sont très pertinentes. Non, ce micro est mieux. Tes questions sont très pertinentes. Alors donc voilà la réponse à tes questions. En fait, ce sont des préoccupations qui en réalité n'ont pas de base solide. Excuse-moi de m'exprimer ainsi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vivait là, il était le guide de tout le monde. En quoi s'ajeuner? Est-ce être guide, ça veut dire qu'il faut être présent. Il faut être présent physiquement devant tout le monde. Si c'est comme ça que tu as compris, tu as mal compris. Être guide, ça veut dire se conformer à un enseignement. Le guide peut être à Boaké, il peut être quelque part. Si tu te conformes à son enseignement, tu es guidé par lui. Ce n'est pas venu le prendre par la main. Lui, s'il prend quelqu'un par la main, à ce moment-là, nous ne sommes pas intelligents. Nous sommes des humains et nous pensons que nous sommes sages. C'est un enseignement. Et pourquoi je dis cela? Je fais bien la distinction. Celui qui veut connaître Dieu dans la première dimension qu'est l'islam, cette personne n'a qu'à le fouiller dans le livre. Mais tu sauras que le livre ne t'enseigne pas. C'est quelqu'un encore qui viendra t'enseigner le livre. Que tu le veuilles ou pas, c'est un guide aussi. On ne pousse pas comme un champion. Il y a toujours une cause quelque part. Le Coran qu'on a pris là. Est-ce que tu l'as appris ça comme ça? C'est quelqu'un qui t'a enseigné, c'est un guide. N'est-ce pas? Alors donc, on a forcément besoin d'un guide. Et quand il s'agit de la dernière dimension qui est la connaissance de Dieu dont tu as parlé, alors c'est toi qui n'as pas, excuse-moi de le dire encore, assez de lecture. Si tu as assez de lecture, tu verras que être en Dieu là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. À travers le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait, c'était hadith du Qudusi. Il dit que mon noble serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aurai aimé, je le deviendrai. Qui est qui n'est pas qui? Il dit quand je l'aurai aimé, je deviens son mur à travers lequel il entend. Je serai ses yeux à travers lesquels il voit. Je serai ses pieds avec lesquels il marche. Alors quand on parle de fusion, est-ce que c'est le ma parole? C'est pas ma parole, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Par des actes surrogatoires. Ça veut dire des actes qui prouvent ton amour vis-à-vis d'Allah. On peut faire les actes obligatoires par crainte d'aller à l'enfer. Mais celui qui peut faire les actes obligatoires, qui va encore s'y mettre à faire les actes surrogatoires tels que la tariqa tijaniya, faut dire les choses par des noms, parce que ce n'est pas une obligation, c'est les choses-là qui te mèneront à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et c'est celles-là qui pourront que toi, Dieu t'effacera et en lieu et place de ta personne, Dieu lui-même sera là. Et c'est lui-même qui le dit. Moi, je n'ai rien inventé. J'ai dit ce que Dieu a dit. Maintenant, comme ce sont des dimensions spirituelles, tu ne peux pas rester au CP1 voulant comprendre ce qui se passe à l'université, c'est compliqué. Donc, il faut que tu fasses le fort, toi aussi, de pénétrer cette dimension-là. Et c'est dans ce moment-là que tu sauras si c'est vrai. Je finis pour te dire que il s'agit de maturité spirituelle. C'est comme un enfant qui ne sait pas ce qui se passe entre un homme et une femme. Tu mets un enfant de 5 ans dans une chambre avec une femme, il va la considérer comme sa maman. Mais vous mettez un garçon de 22 ans avec une femme dans la maison pour permettre à la femme de ne pas toucher la femme. Tu vois pas ce qui va se passer. L'enfant, il y a quelque chose qui n'existait pas en lui. Il n'y raisonnait pas par rapport à ça. Mais le jeune adulte là, voilà, le jeune adolescent là, la chose a commencé à exister en lui. Mais avant cela, tu ne pouvais pas lui expliquer. Si l'enfant vient vers toi, il dit, papa, on dit, excuse-moi, hein, on dit que la femme là c'est doux, excuse-moi. Explique-moi papa, je vais lui expliquer ça comment. Il a encore petit de ne pas comprendre. Et si l'enfant dit, si le père dit à son enfant, non, ce dont on parle là, c'est devant la femme, excuse-moi. L'enfant un jour se promène, il voit une femme qui est en train de faire pipi quelque part, comme on le voit souvent ici à Abidjan. Il s'assoit et dit, ah, mon papa a dit que c'est ça là qui est doux. Et puis quand la femme s'en va, il va prendre le sable dans lequel la femme a fait pipi, là, il met dans sa bouche. Parce que le seul facteur pour connaître le goût là, c'est sa bouche. Il met dans sa bouche, non, là c'est pas doux. Mon papa m'a menti. Parce que c'est un enfant, on ne peut pas expliquer ça. Mais laisse l'enfant, quand il va grandir, sans lui expliquer, lui-même il va comprendre. Si tu n'as pas encore compris comment l'être humain s'anéantit en Dieu, c'est du fait du manque de maturité spirituelle. Quand tu vas atteindre ça, tu le sauras. Arrête en demain. طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقد عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمصاع بخيف ومشار ضياء رسول الله للترفي المعون بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله أحمد عاقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر أربع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أتمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ